Meubles et immeubles. Ma voiture. Mon magasin. Mon chantier. La scolarité de mes enfants. Heureusement, la Sonas a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. Sonas, symbole national des assurances. Société à Banamboka. Sonas, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Le Verso, le magazine qui donne une autre version ou une autre compréhension des faits d'actualité. Nous avons passé un long moment sans pouvoir vous parler, mais bon, on se retrouve quand même aujourd'hui. Après quelques petites années de santé, nous avons ce matin le plaisir de recevoir sur notre plateau d'abord Karl Lukusa. C'est un habitué des petits écrans, vous êtes déjà habitué à le voir. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il fait son entrée dans nos studios. Nous avons à ses côtés le brillant Mike Gardidiana, et donc aussi habitué des petits écrans. Et je crois que c'est la première fois aussi. La première fois. Et nous avons John Lungila qui fait aussi sa première entrée dans nos studios. Nous avons manqué Christian Emango, mais nous pensons que très prochainement, il sera avec nous dans nos studios pour pouvoir parler de l'actualité dans notre pays. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Nous allons parler des deux sujets essentiellement. Il s'agit de la question de l'éducation avec ce qui se passe au niveau de l'EPST. Nous allons parler de la question de la mise en place du bureau de la CENI et éventuellement nous allons parler de la question du RAM. Alors avec ces trois sujets, nous pensons pouvoir vous apporter l'éclairage sur ce qui domine l'actualité dans notre pays. Sans plus tarder, je vais d'abord accorder un premier tour de parole à mes invités pour leur entrée. On commence par Karl. Bonjour Karl. Bonjour Monsieur Julien Kalinda. Bienvenue chez nous à Congo Market TV. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de venir vous joindre, répondre à votre invitation sur ce plateau. Et ce cadre qui nous inspire tant est un cadre qui en même temps nous permet de transmettre le message à la population, à ceux qui suivent cette émission. Nous savons qu'ils sont nombreux à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube notamment. Évidemment. Et nous disons donc qu'aujourd'hui, nous avons un petit lien à se partager avec eux, donc par rapport à leurs questions, par rapport à leurs préoccupations, et mes questions d'ailleurs qui sont les leurs, que vous nous transmettez. Donc nous allons vous faire le plaisir de partager ensemble avec les invités. Merci beaucoup. Mike Gardi, bonjour. Bonjour Didier. Bienvenue chez nous. Merci surtout pour la première fois. Un grand merci de l'invitation. Bonjour à vous particulièrement et mes sincères félicitations pour merci. Cette entreprise qui engage de jeunes que je vois très dynamique. Et j'espère, en fait, je souhaite que ça aille encore plus loin, encore plus loin. Pourquoi pas faire mieux que ceux qui ont déjà établi leur record pour ne pas citer leur personne. Merci beaucoup Mike Gardidiana. John Lungila, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va sinon? Je vais très bien. Je suis content de ma présence. Non, attends, attends. J'aimerais d'abord savoir, Mike Gardidiana, toi, on ne t'a jamais vu à l'OUA. Jamais. On ne t'a jamais vu à Kindakati. Jamais. Finalement, tu vas où? Chez moi, à l'église.
John Lungila. Je voulais pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Oui. Et mes co-débatteurs soient présentés avec leur titre et qualité. Okay. Je sais qu'il a dit, c'est un journaliste. Oui. Nous savons tous là où bat son cœur, ça ne pose aucun problème. J'aurais également souhaité que M. Carl soit aussi présenté. Carl est un écrivain, il est dans le monde des lettres et il est analyste politique. Ça me met mal à l'aise, ça me rassure. Je pense qu'on va faire un bon débat républicain autour des sujets aussi importants d'actualité dans notre pays. J'ai l'habitude de suivre Congo Market de loin. Aujourd'hui, je suis un intervenant. J'espère que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Pas du tout. Pas une dernière en tout cas. J'ai demandé tout à l'heure à Mike Ardidiana. On ne l'a jamais vu à Kingakati, jamais à l'OUA. Mais à Kingakati, va bien. Je vais vous donner une réponse pour la première fois. Je ne l'ai jamais dit. Ça, c'est une vérité au nom de mes enfants. Mm-hmm. Ils sont racistes. Je n'ai jamais été à Kingakati. Non, c'est pas vrai. Des deux, je n'ai jamais rencontré Kabila. C'est ça, pas vrai. C'est des deux. Et donc, je ne peux pas, peut-être par rapport à certaines analyses, oui, mais on ne peut pas croire que moi je suis journaliste, oui, mais n'allez pas au-delà de ce que j'exerce comme métier parce que je vous dis la vérité. Je ne connais même pas Kingakati et je n'ai jamais rencontré Kabila. Oh. Il est encore vivant. Ça, c'est à retenir. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Et même à l'OIA, je n'y ai jamais. Même à l'OIA, jamais. Non, mais il faut y être, il faut y aller plutôt. Je sais que j'ai, de temps en temps, j'y vais à la cuisine. Moi, je sais qu'il a été à l'OIA pour... je crois que l'extension de consultation est autre. Non, il n'était pas là. Il est ici. Il est pendant les consultations, ouais, je n'étais pas là. Non, il n'était pas là. Je suis à l'IDEPES pour couvrir les activités. Je suis au PPRD pour couvrir les activités. Mais dans à l'IDEPES aussi. Je sais qu'une fois, il est allé couvrir le consultation. Dans sa casquette de journaliste. Okay. En tout cas, pour l'IDEPES, ça fait un bel. Okay. Je ne sais plus aller. Même ici, mais vous avez toujours un rapport avec le secrétaire général. Vous parlez au téléphone. Oui, c'est... Augustin Kabouya, je le connais depuis. On a de très bonnes relations au-delà de politique. Donc c'est un grand frère qui est resté grand frère malgré tout ce qui est arrivé. Et donc, mais pour l'IDEPES, je dois vous dire sincèrement, je ne sais pas mettre mes pieds à l'IDEPES. Je ne sais plus mettre mes pieds. Est-ce que ça n'a pas changé? Jusqu'à aujourd'hui, ouais. On peut tenter après ici. Mais il faut que... Vous soyez. On peut tenter, vous allez voir à quoi ça va résister. Non, 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 nous allons. Non, on ne doit pas oser. Non, mais merci beaucoup pour cette entrée, mesdames et messieurs. Nous allons parler des choses essentielles de la République. Ça, c'était juste pour vous mettre dans le bain. Comme on dit chez nous, des questions, des mises en confiance pour que nous puissions entamer cette émission en beauté. Alors, le tout premier sujet, c'est le sujet de l'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, nos enfants, pour ceux qui fréquentent le réseau catholique, sont à la maison. Certains sont dans la rue même. Et c'est une question très préoccupante pour chaque parent. J'aimerais que nous puissions quand même faire un petit tour du sujet avant de passer à la politique et au social. Mais comme nous avons sur ce plateau la chance d'avoir John Lungila, quelqu'un qui a... occuper quand même des fonctions au niveau de la chaîne éducative nationale. Je crois qu'il a quand même des informations mieux outillées par rapport à la question de l'épistémie. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous constatons, c'est vrai que le bras de fer a toujours existé dans ce pays à chaque rentrée scolaire. Mais maintenant, la question est de savoir ce qui se passe aujourd'hui, en quoi c'est différent de ce qui se passait hier. Et en revanche, vous allez aborder l'aspect solution. Que faudrait-il que le ministère, que le gouvernement fasse pour arriver à résorber ce problème?
Merci pour la question, mais je me pose la question si je suis déjà évoqué, parce que vous me conjuguez au passé à l'UPST. Non, il vit encore. Non. Je vous le conseille. Je sais que la décision vous appartient. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi je pense que c'est un point de vue personnel. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter un peu la question. Parce qu'au départ, l'éducation, surtout au niveau de l'EPST, c'était un apanage de l'Église catholique, pour ne pas dire des missionnaires. Parce qu'au départ, la formation pour le noir congolais à l'époque, était réduite au niveau de la religion. Il fallait seulement nous apprendre, nous former des catéchistes et consorts pour aller évangéliser. Mais c'est avec l'UNESCO que nous avons eu la chance de revendiquer, comment appeler le mouvement de l'indépendance, qu'il fallait maintenant penser à un système éducatif qui forme les Noirs sur le métier des intellectuels et consorts. Mais ce n'était pas facile. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, avant c'était l'apanage des catholiques. Et même quand le gouvernement avait voulu récupérer l'autonomie dans l'organisation et le fonctionnement de l'éducation, ce n'était pas facile parce que le gouvernement congolais à l'époque, c'est encore réel jusqu'à aujourd'hui, n'avait rien construit en termes de patrimoine, des écoles, des consorts, les gouvernements n'avaient rien. Tout était encore entre les mains des écoles, des consorts, c'était encore pour les confessions religieuses, je parle ici des catholiques, des protestants et des musulmans et des consorts. Mais qu'à cela ne tienne, l'État a quand même s'est imposé. Et il est resté l'unique maître pour organiser l'enseignement au niveau de l'EPS dans notre pays. Ça n'a jamais enchanté les catholiques. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'aspect formation, mais l'éducation c'est quand même un business. Ça fait entrer beaucoup d'argent. Imaginez combien d'élèves avons-nous dans ce pays. Et s'il fallait qu'un élève puisse payer, ne serait-ce qu'un 100 000 francs congolais, il faut faire des calculs par an, combien ça génère en termes de fonds, en termes d'argent. Et donc, rebondir plus tard, pour parler de la gratuité en totalité, en globalité, ça met en difficulté ceux qui ont l'éducation comme appui pour fonctionner, pour exister. Et ceci va passer par diverses revendications, initiatives qui iront dans le sens de faire croire que le système éducatif actuel ne pourra jamais faciliter les choses. Voilà pourquoi. C'est vrai, la Constitution l'a prévu à l'article 43, mais il fallait faire quoi? Est-ce que l'État devait consulter les uns et les autres pour faire respecter la Constitution? La réponse est non. Mais l'État devrait aussi prendre un certain nombre de dispositions pour faire face aux obstacles. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, par contre, on a fait face à ceci l'année passée, la première année de la vie. C'était la même chose. Nous avons dit, et on avait cessé de le dire, qu'à un certain moment, l'Église était en train de saboter la vérité parce que ça ne faisait pas son affaire. Aujourd'hui, vous avez le ministère du Rabat qui fait face à la même réalité. Et donc, qu'est-ce que l'État peut faire? Parce que si aujourd'hui l'État décide, comme j'ai suivi le ministre, qu'il va récupérer toutes les écoles entre les mains des catholiques et en faire des écoles publiques, l'Église dira oui, prenez vos écoles, mais laissez-nous nos bâtiments. Et ces mêmes bâtiments seront transformés en écoles, mais privées. Et donc, ça ne va rien résoudre. Mais moi, je pense qu'il faut revenir sur la table des négociations. Donc, ce qui appartient à l'État, c'est le système d'enseignement. Exact. Mais l'infrastructure appartient aux catholiques. Ce sont les catholiques qui ont construit. Les écoles au collège Bobotto, les écoles de Saint-Raphaël, tous ces bâtiments n'appartiennent pas à l'État. C'est pour l'Église. Et donc, l'État peut décider de retirer les enseignants et les écoles, mais les bâtiments restent pour l'Église. Et l'Église peut dire, bon, moi, je crée des écoles, mais privées. Donc, ça ne va toujours rien résoudre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre aussi, c'est que le jour où le rapport entre le patron et les banques syndicales sera au mot fixe, dites-vous qu'il y a un problème à un certain niveau. Parce que
Les syndicalistes, ce sont des internels insatisfaits. Vous pouvez donner aux syndicalistes aujourd'hui les 100 000 francs qu'ils réclament, mais l'année prochaine, ils vont revendiquer autre chose. Merci. Et ils sont là pour revendiquer au profit des enseignants, ils sont là pour multiplier des revendications, mais il appartient à l'État de prévenir, de mettre en place des mécanismes pour éviter que l'élève ou l'enfant puisse être sacrifié ou être utilisé comme un otage pour faire chanter les uns et les autres. Merci beaucoup. Nous allons prendre la même question, Karl, mais plutôt une autre dimension, c'est de voir, il y a une revendication. On a vu des parents, certains parents revendiquaient devant l'Institut de la Gombe, si je ne me trompe pas, qui demandaient, qui disaient en lingala, « Tolembi gratuité ». Tolembi gratuité. Comment vous interprétez cette manière? J'ai suivi aujourd'hui le ministre, il y a une commission qui venait d'être mise en place, une commission interministérielle entre le ministère du budget, des finances, de l'EPST et de la fonction publique pour pouvoir mieux encadrer la question. Mais mon point, c'est sur cette façon de pouvoir penser que nous devons revenir à l'ancien système, donc dire non à la gratuité, revenir à la prise en charge de l'enseignement par les parents. Comment vous analysez ça? Oui, mon analyse est aussi simple. Moi, je pense que s'il faudrait classifier ce genre de réaction des parents, puisque c'est deux que vous faites allusion, j'aimerais ici seulement dire que nous sommes ici dans une phase où nous pourrions considérer cela comme étant des douleurs d'enfantement qui finiront par arriver à terme. Donc c'est des parents mécontents pour l'instant parce que justement la décision a été prise depuis l'année passée notamment, et c'est une décision qui souffre encore de son implémentation de manière globale et de manière claire, et des parents qui voient leurs enfants par exemple souffrir du fait que les écoles ne se rouvrent pas cette année à cause du mécontentement notamment des enseignants qui revendiquent leurs droits, et nous estimons que c'est tout à fait un sentiment normal de tout parent qui voit ses enfants cloîtrés à la maison parce que justement ses enseignants sont mécontents et ne veulent pas dispenser les cours parce que leur qualité, notamment dans la rémunération, a été revue à la baisse. Et aujourd'hui, je pense qu'un travail de fond est en train d'être abattu au niveau du gouvernement. Vous aviez fait allusion notamment à cette commission interministérielle entre ces ministères qui veulent apporter justement des solutions. Donc il faut maintenant dialoguer, un cadre permanent de dialogue. Absolument, on a même fait mention à un certain moment des états généraux de l'enseignement qui verraient en fait tout cela être discuté et résolu autour d'une table. Donc c'est des questions qui se lient notamment aussi à la liberté d'expression, à la démocratie, et c'est un système que nous devons que nous avons accepté d'adopter, mais qui doit aller dans sa phase d'implémentation de manière graduelle, et pour l'instant les douleurs d'enfantement sévissent encore. Nous devons les accepter, même si nous savons que cela empiète à l'éducation de nos enfants, mais nous estimons que la solution sera... Mais comment comprenez-vous, Karl, ce désaccord permanent entre les prêtres et les dirigeants? Oui, en ce qui concerne l'éducation. Oui, je vais ici renchérir notamment ce que mon frère John Delodila venait de dire ici. C'est une église catholique qui se voit dépouillée de ses facultés par le gouvernement notamment, qui se voit menacé en quelque sorte, parce que, entre guillemets menacé, parce que lorsqu'on fait mention de retrait de ces écoles d'entre les mains de l'Église, et que cette Église se voit dépouillée de ses moyens financiers notamment, parce que cela rapporte beaucoup d'argent. Mon frère qui maîtrise bien le système éducatif, notamment parce qu'il est travaille à l'EPST pendant plusieurs moments, et je crois que ici c'est une Église
qui ne cède pas à qui ne veut pas céder, j'allais dire, à ses droits. Et c'est un gouvernement qui veut faire appliquer notamment ce droit constitutionnel repris ici à l'article 43, qui veut faire appliquer notamment l'éducation inclusive de tous nos enfants et qui veut en même temps trouver des solutions pour les professeurs qui se plaignent. Donc c'est tout un système qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait travailler, sur lequel il faudrait travailler et qu'il faudrait revisiter. Et nous pensons, que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes encore dans le cadre des douleurs d'enfantement et nous sommes positifs à ce sujet. Merci beaucoup, Karl. Mike Gardy, les deux premiers intervenants, je crois, ont placé quand même le tapis pour vous, je pense. La question ici, je voudrais que vous puissiez quand même donner votre avis par rapport au point concernant la rémunération. Parce que ça semble être l'épicentre du problème. On a vu qu'il y a des enseignants qui sont partis quand même de 900 dollars de salaire le mois, mais qui, avec la gratuité, qui voudrait que, bon, on ramène tout le monde sur une même base, serait lésé dans ce genre de décision. En fait, ça, c'est mon analyse, mais je ne sais pas quelle est votre analyse à vous par rapport à cette question de gratuité en prenant le cas de la revendication principale qui est le salaire. Le salaire. En fait, cette question-là, c'est, à mon humble avis, au-delà du fait que l'État congolais, de par son souci de pouvoir récupérer, parce que la question de l'éducation relève de la souveraineté d'un État, ce sont des questions des secteurs très vitaux, au-delà du fait que l'État a repris l'organisation, mais a laissé quand même une marge de manœuvre en ce qui concerne le circuit économique au niveau du système éducatif, représenté majoritairement par l'Église catholique, la seule faiblesse de l'État actuellement, c'est que quand on a pris la direction de pouvoir aller dans la gratuité, on ne s'était pas vite rendu compte de la grandeur ou la complexité de la tâche qui arrivait. Vous savez, depuis toujours, on disait la meilleure des choses à faire quand on veut récupérer cette question, c'est de pouvoir réfléchir sur comment augmenter la portion, encore si vous voulez, le quota du secteur éducatif. Pourquoi ? Parce que, à mon humble avis, au niveau du budget, de l'État. Mais à mon humble avis, même le 12% a été évalué dans le sens où, en restant dans le même système, le même problème qui dérange les dynamiques congolaises, c'est-à-dire une dynamique de survie. Quand on va dans les charges fixes, l'entretien, les fonds qu'il faut allouer pour l'organisation du système, quand on va dans les dépenses didactiques, quand on va dans la rémunération des enseignants, c'est là où généralement on se rend compte que l'État n'a pas beaucoup de marge pour pouvoir se mettre en face des acteurs du secteur et pouvoir répondre favorablement aux desiderata. Malheureusement, l'État, au lieu de pouvoir aller dans ce sens-là aussi, prend beaucoup trop de temps. Vous vous souviendrez, il y a eu combien d'assises ici sur la question? Ce sont les mêmes revendications qui reviennent. Malheureusement, l'État est dans l'incapacité de pouvoir répondre du simple fait que l'État ne s'est pas convenablement doté des moyens pour pouvoir s'y résoudre. Mais dans le conflit entre l'État et l'Église catholique. Mais avant d'entamer les conflits. Non, je vais vous parce que c'est toujours dans les questions d'argent. Si vous permettez, parce que dans les questions d'argent, on a quand même senti qu'au lancement de la gratuité de l'enseignement, le gouvernement a bénéficié des appuis financiers du FMI. C'est la Banque mondiale ou le FMI ? La Banque mondiale. La Banque mondiale. La Banque mondiale. Mais ça a permis quand même de prendre en charge les rémunérations. Pas forcément. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la composition du budget, il y a ce qu'on appelle des ressources additionnelles qui viennent généralement des partenaires. Or, dans la République... Mais ça, c'était pas prévu. Non, je vous dis, regardez les projets présentés par Ilunga Yonkamba. La plupart des... C'est-à-dire les circuits encore, la rubrique éducation, l'argent alloué est de l'argent sur qui est orienté vers les ressources additionnelles, notamment qui viennent des partenaires étrangers. Ce sont pas des, c'est pas un pourcentage défalqué dans les ressources propres. C'est là où je dis que c'est la plus grande difficulté. En temps normal, on devrait, en termes de ces côtés-là, c'est pas un problème parce que c'est ça le budget. Mais au-delà de ça, je voulais plutôt que dans le quota, on définisse très bien la part que l'État apporte en termes de ressources propres pour en faire un complément avec ce qui vient des partenaires étrangers. Et cela s'est traduit par l'augmentation du pourcentage encore du quota du système éducatif. C'est-à-dire, à ce stade, l'État peut décider de ne pas caser la rubrique éducation
dont les ressources additionnelles qui viennent des partenaires, mais essayer de mettre, trouver une péréquation pour dire on augmente le pourcentage. C'est vrai, il restera dans cette rubrique. Avec par exemple le pourcentage qu'on récupérerait de il y a plusieurs celles qui s'y fait maintenant l'état, sur l'état le train de vie des institutions. Exactement, l'état le pourcentage qu'on peut récupérer, c'est qu'on fonctionne là-bas, Pour mettre sur le pourcentage ici, de l'éducation. À mon humble avis, c'est à ces stades-là que les choses devraient se jouer. Maintenant, je voulais revenir, je veux rester aussi sur la dimension économique, c'est que dans le conflit entre l'État et l'Église catholique, le lit, c'est justement le fait que l'État est dans l'incapacité de répondre aux besoins des acteurs premiers, c'est-à-dire les enseignants. Le jour où l'État sait répondre favorablement aux questions des enseignants, il coupera, il sciera l'arbre qui, en fait, permet à l'Église, en tant qu'organisateur, l'un des organisateurs, de pouvoir souvent menacer de temps à autre l'État. Ça veut dire que ça sera un rapport de force assez équilibré, ce qui ramènera l'Église au niveau de la table, parce que le seul problème, le seul souci sur quand ça passe, on vous dit non, les enseignants et autres, et aussi à ces stades-là, le souci c'est qu'au-delà de questions d'argent, que l'État mette un peu une notion de priorité. Sur les questions de l'éducation, il faudra éviter la lourdeur de l'administration publique. Généralement, ce sont des arguments qui font que ces gens-là sont souvent un tout petit peu poussés, non seulement par les banques syndicales, mais également par les autres organisateurs, notamment l'Église, pour pouvoir aller mettre l'État. Tout ça font partie de mécanismes de pression, mais la meilleure des choses à faire, c'est que pour ne pas paralyser l'année, je veux que l'État essaye de trouver des mécanismes. Aujourd'hui, avec le travail qui s'est fait, on a le moyen de pouvoir défalquer, de trouver des mécanismes pour renflouer, résoudre d'abord ces problèmes. Mais ce travail doit être fait concomitamment avec le travail d'assainissement du fichier, notamment dans le secteur de l'EPST, avec les enseignants, parce qu'à ces stades-là aussi, l'État se retrouve avec un nombre pléthorique d'enseignants, et ces mécanismes-là prendra du temps. Je chute juste par un élément, c'est que aussi dans l'approche administrative, le ministre Tony Mwamba ne fait pas de bons choix. Depuis qu'il est là, je me suis rendu compte qu'il est, beaucoup trop sanguin. Il réagit vite. Le devoir régalien de l'État, c'est de pouvoir assurer le bien-être de sa population. L'État ne peut pas, au nom du bénéfice de John Lungila, rendre Karl malheureux. Ça veut dire que l'État est celui qui trouve toujours l'équilibre parfait. Ce qui fait que, dans la logique, il faut comprendre que les enseignants qui touchaient autrefois jusqu'à 700-800 $, c'est parce que le système le permettait de pouvoir avoir ces salaires-là. Même quand vous allez ailleurs, je vais donner un exemple des quelques États que je connais, même au Sénégal, où le système éducatif est très assis, tous les enseignants ne touchent pas de la même manière. C'est-à-dire que ça dépend des établissements, parce que chaque établissement a une certaine notoriété. Cette notoriété vient avec les capacités de mobilisation. Donc, l'État doit trouver et éviter de pouvoir aller dans des sentiments, dans des réactions épidermiques, comme ils veulent faire maintenant. Engager un bras de fer avec l'Église catholique n'avancera jamais l'État. On sera le plus perdant. Et surtout avec les enseignants, il faut juste trouver un moyen de répondre d'abord aux besoins existentiels des enseignants et puis prendre le temps de corriger les autres questions structurelles qui peuvent subvenir. Et ça va pas se faire. Merci beaucoup. Carl est en 2 minutes de retard par rapport à la prise de parole. Est-ce que vous pensez que nos enfants aujourd'hui sont en train de payer des désaccords entre l'administration Tshisekedi et l'administration Ambongo, c'est-à-dire l'administration du cardinal Ambongo ou l'Église catholique? Est-ce que les enfants sont en train de payer des conséquences du désaccord entre les deux là? Absolument, absolument, parce que moi je pense qu'il y a un problème d'irresponsabilité à un certain niveau de notre gouvernement. Si les enfants qui doivent absolument dépendre dans le système éducatif, notamment pour l'enseignement de base, nous pensons que ce système a été mal conçu et qu'aujourd'hui les enfants en pâtissent. Donc aujourd'hui, moi je pense que je viens de faire allusion notamment à des mécanismes qui devraient en principe à travers l'État être mis sur pied pour éviter au préalable que ce genre de retard soit causé à nos enfants qui sont tout à fait innocents, parce que vous parlez d'être victimes de l'État. Je pense que oui, ces enfants sont victimes parce qu'ils ne sont pas décideurs, ils sont consommateurs, et que l'État devrait en principe garantir cette consommation en matière d'enseignement. John, la même question. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les effets induits de la gratuité. Quand on a décidé de rendre gratuite l'éducation au niveau de base, ça fait que Gandhi, qui avait
trois enfants et deux qui allaient à l'école, trois qui restaient à la maison. Tous les cinq ont retrouvé le chemin de l'école. Il y a eu une multiplication même par quatre des effectifs. Nous sommes passés de 2015 à 7 millions, 8 millions. Nous avons atteint pratiquement 22 millions d'élèves aujourd'hui. Il en est même pour les enseignants. Nous sommes à plus de 600 000 enseignants aujourd'hui. Et là, on a parlé de 718 000. L'enveloppe salariale pour les enseignants pèse sur l'État. Et c'est ce qui fait que même quand l'État décide de poser un acte, c'est minime en termes individuels, mais en termes d'enveloppe globale. Quand on dit on ajoute 40 000 francs à chaque enseignant, il faut faire 40 000 francs multipliés par 718 000 enseignants, ça vous donne quelque chose, ça, dit, ça pèse sur. Donc même si on réduit les salaires des députés aujourd'hui, ça suffit. Donc, ça pour donner aux enseignants, voilà, le train de vie ne peut pas compenser. Voilà pourquoi. Moi je suis d'accord, pour régler cette question, il faut mettre assez de moyens dans le secteur. 12% c'est rien du tout, ça ne résout aucun problème. Mais cet argent viendrait la première année, non, mais nous avons le moyen. Mais au nom de quoi l'organisation des élections est une obligation, mais pour l'éducation, on doit être compréhensif, on doit. Je donne un exemple. À l'Équateur, c'était l'année passée, pour organiser l'élection législative nationale et provinciale, c'était au village de l'actuel ministre du Commerce extérieur. Ça coûtait à l'État à peu près 500 et quelques mille dollars. Alors que dans ces villages-là, il n'y a même pas d'école, il n'y a même pas d'hôpitaux. Nous devons aussi repenser cela. Nous voulons les élections, oui, mais ça nous apporte quoi? Comme dans ce village-là de Jean-Lucien Boussa, l'État a dépensé 500 000 dollars pour donner de l'emploi à deux députés nationaux et à trois députés provinciaux qui seront payés chaque mois, alors que dans ce même village, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, je vois les manifestations. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes en plein cœur de la commune de Limété, industrielle, mais nous avons été perturbés par les coupures d'électricité. On n'en peut rien. C'est ça, la Société nationale d'électricité congolaise, on fait avec. Alors, John Lungila, vous étiez en train de développer un aspect assez délicat quand même. Quand vous dites les élections ne sont pas aussi importantes que l'éducation de nos enfants, on met beaucoup d'argent dans les élections alors que l'éducation en peine. Exactement, parce que tous nous avons des enfants, tous nous avons un neveu. Même si vous êtes prêtre, vous n'avez pas fait des enfants, mais vous avez un neveu, une nièce qui va à l'école. Et donc l'éducation, c'est un domaine qui doit nous mettre tous ensemble, qui doit vraiment nous unir. Quand il est question de parler éducation, on doit parler même langage. Des scènes comme celles qu'on a vues aujourd'hui, les enfants au palais du peuple, les enfants dans la rue. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, d'un côté, le palais du peuple est inviolable, mais de l'autre côté, l'éducation des enfants, qui est une priorité, la Constitution en fait même, tout un article pour assurer son organisation, son encadrement, les modalités et consorts. Et donc, vous comprenez que l'heure est grave. Il fallait pas qu'on soit seulement en politique pour constater le caractère urgent qui nécessite bien évidemment des solutions urgentes. Moi, je pense qu'à un certain moment, le chef de l'État, moi je suis d'accord, il doit aussi se comporter un peu comme ce putschiste en Guinée qui arrive, qui dit il met fin au gouvernement, il met fin au Parlement pour redéfinir les priorités pour les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, mais la priorité, tout de suite, moi, je suis désolé, mais moi je pense que la priorité pour nous maintenant, c'est l'éducation. Les élections nous prennent beaucoup d'argent, mais sans impact direct sur que vous la pensez vie des que Congolais. Aujourd'hui, la démocratie est en train de favoriser ce que nous voyons dans la rue. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, même le régime dictatorial se repose sur le texte. Ça veut dire que le texte étant l'apanage d'un groupe de politiques, appelez les députés si vous voulez, dans leurs différents secteurs, ils font des choses dans le sens à la fois de sécuriser ce qu'ils font
et c'est devenu presque une dynamique. Je comprends ce que John Lugil a dit. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est pas faut arrêter les élections, mais ça veut dire qu'en termes de priorité, si on peut trouver 1 million, 2 millions, 1 milliard pour les élections, on a l'obligation de trouver d'abord pour l'éducation. C'est-à-dire, c'est en termes de priorité. Mais est-ce que ça sera accepté? Jamais. Un discours comme ça. Ce discours-là ne peut pas passer parce que, non seulement sur le plan doctrinaire, aujourd'hui, les mal de l'Afrique, les mal que nous avons, c'est que on nous a présenté un modèle économique, on nous a dit que c'est un moyen indispensable. On en a fait le levier principal de la bonne gouvernance, mais les exemples dans le monde sont légion. Regardez la Chine, regardez l'Allemagne, ils ne sont pas dans le même registre que nous autres, mais ce ne sont pas des États qu'on peut comparer. Regardez le miracle chinois. Est-ce que si les Chinois étaient décidés de rentrer dans la ligne directive de tout le monde, c'est-à-dire la démocratie à l'américaine, la Chine serait risquée? Je ne pense pas. Donc en réalité, aujourd'hui, il est important de pouvoir définir. Moi, j'ai dit toujours, dans ce sens-là, le Congo est trop naïf. Nous, aujourd'hui, on nous impose le même texte que la France, alors que la France, qui est devenue un État développé, la France de De Gaulle, n'était pas une France démocratique. Cette France qui nous impose aujourd'hui de ne pas utiliser notre faune, notre flore, qui nous met de limites et de seuils pour pouvoir produire nos énergies fossiles, cette France-là a constitué le gros de son économie par les mines, les nucléaires et les autres. Vous comprenez? À ce stade ici, à un certain moment, le Congo a besoin d'une réduction essentielle des les agences, les programmes. Merci Mike. Merci Mike. Nous allons passer à l'autre thème parce que nous courons derrière le temps. C'est comme le disait Donald Trump, il dit vous avez développé votre industrie nucléaire, ainsi de suite, et vous interdisez aux Américains de pouvoir se développer pour que vous deveniez plus puissants que nous. Je pense ici que ce que John disait tout à l'heure, de pouvoir regarder la priorité entre, par exemple, le coin où on organise les élections pour deux personnes qui coûtent 500 000 dollars américains, alors que l'enseignant touche 130 dollars ou 90 dollars américains. Je crois que ça, c'est le travail qui est en train d'être fait par le Premier ministre Sam Alukonde. Nous allons passer au deuxième thème, qui est donc lié aux élections, puisqu'on parlait déjà des élections tout à l'heure, avec la venue de Denis Kadima à la tête du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Selon la procédure, mesdames et messieurs, l'intérimement ayant été déjà acté au niveau de la Chambre basse du Parlement, il revient au président de la République de pouvoir prendre une ordonnance qui notifie Denis Kadima comme président de cette centrale électorale. Mais cela crée des remous dans la société. La question est comprise de manière assez divergente. Nous allons pouvoir donner 5 minutes à chacun sur ce plateau. On commence par John Lugil. Je sollicite la parole parce que c'est important. Ouais. Avant d'entrer dans la question, je voulais dire c'est important. Avant la gratuité, le chef de l'État avait mis autour d'une table des experts et ces assises ont abouti à ce qui apparaît comme l'enveloppe annuelle pour la gratuité, c'est dans les 2 milliards de dollars. Donc pour que la gratuité résiste chez nous, il faut au moins 2 milliards de dollars par an. Et l'État n'a pas son rien. Donc nous devons y penser. Et moi je pense même, si on ne parvient pas à régler ces problèmes, nous les enseignants, parce que nous sommes des enseignants débrouillassis, nous n'allons pas donner le travail à ces politiciens en 2023 à travers ce que vous appelez élection. Mais parce que nous parlons élection, il faut rappeler ici que la loi avait tout prévu, tout défini jusque-là. On n'a pas changé la loi qui organise la CENI. Cette loi, elle est claire, que ce soit en termes de la désignation de ceux qui seront comme animateurs de cette structure indépendante. Mais je pense que les choses, telles qu'elles se sont faites, elles n'ont pas respecté cette loi-là. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de l'entérinement, il y a un problème. L'Assemblée nationale ne peut pas, elle n'a pas le droit d'engager un débat sur le PV envoyé par les confessions religieuses qui doivent désigner leur président. Et j'ai eu comme l'impression que l'entérinement de membres du bureau de la CENI, c'est sur base des décisions issues de la commission paritaire. Ce n'est pas la commission paritaire
ce n'est pas le document déposé par la commission paritaire qui doit être entériné par l'Assemblée, mais c'est le PV. Mais là, j'ai constaté le contraire. Et je pense que moi, j'ai confiance au président de la République. Je sais que c'est quelqu'un qui surprend toujours. C'est un démocrate, c'est un homme qui sait respecter l'état du droit. Parce que les conditions sont restées les mêmes avec l'enterrement de Malonda. Je pense que le chef de l'État ne va pas se dédire. Le chef de l'État ne va pas se contredire, sauf le diable. Sauf le diable, je dis. Sauf le diable. Je pense que Tshisekedi de Félix ne va pas prendre acte de cet enterrement et il ne va pas notifier parce que les choses telles qu'elles se sont produites, elles n'ont pas respecté la loi en la matière. Nous avons tous constaté qu'il y a eu des problèmes déjà au niveau de la désignation, il n'y a pas de consensus. Et nous avons constaté au niveau de l'Assemblée qu'il y a eu également des problèmes pour l'enterrement, parce que l'ambiance déjà nous donne l'idée de ce qui s'est passé. Mais aussi et surtout, juste au moment où nous parlons, on a envoyé au chef de l'État un document complet qui ne peut incomplet, excusez-moi, qui ne peut pas permettre au chef de l'État de prendre une ordonnance, parce qu'il n'y a qu'une seule ordonnance pour notifier tout le monde. Le chef ne peut pas prendre deux, trois ordonnances pour faire une notification. Alors, sur base de ces éléments, je me dis, Tshisekedi ne va pas notifier. Tshisekedi va attendre à ce que les choses se passent dans le respect de la loi et des règles de l'art. Si je vous comprends bien, vous avez évoqué trois éléments, trois aspects. Le premier aspect, c'est que la procédure n'a pas été respectée au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il fallait décider sur base de PV et non du rapport de la commission. Exactement. Mais on sait tout de même que la commission paritaire statue sur base des PV envoyés par les confessions religieuses. Donc, ils prennent le PV, les traitent et transmettent, c'est la commission qui transmet le rapport au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, lorsque vous parlez du contexte Malonda et Kadima, non, lorsque vous parlez de ces deux, vous faites le parallélisme, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas le même contexte? Parce que le contexte Malonda se situe dans un cadre de mésentente, désaccord, cassure entre le FC, la coalition FCC-CASH, alors que ici, on est pendant ce temps, Tshisekedi n'a pas une majorité homogène au niveau de l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où Tshisekedi a une majorité qui semble être homogène par rapport à la dynamique qui s'est dégagée lors de l'enterrinement. Est-ce que c'est le même contexte? Je rappelle que la majorité ou minorité n'ont aucun impact sur l'enterrinement des membres du bureau, des PV envoyés par le Conseil. Il y a vote. Il n'y a pas vote. Je n'ai pas de débat, il n'y a pas vote. On ne peut même pas soumettre ces documents au vote, ni le soumettre à un débat à l'Assemblée. La loi l'interdit. La loi l'interdit. La loi ne l'autorise pas. La loi dit tout simplement que quand deux PV arrivent à l'Assemblée, l'Assemblée enterre. D'ailleurs, le président n'est pas obligé. L'enterrement se passe de quelle manière? Il n'est pas obligé. Il vient, il fait part à la plénière, il informe à la plénière qu'il a reçu à X date les PV envoyés par les confessions religieuses, envoyés par les délégués de l'opposition ou de la majorité, pour le bureau de la CENI, et le bureau prend acte. Le bureau, il n'y a pas de Je ne veux même pas soumettre ceci à une commission paritaire, soit-elle, pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que ce n'est pas la commission qui doit. Non, ce n'est pas la commission. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et même quand vous voulez nous ramener dans le contexte, même le contexte est le même. Et vous devez savoir que cette question va diviser l'Union sacrée. Va diviser l'Union sacrée. Vous avez suivi de quelle manière? Vous avez suivi Moïse Katoumi. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore dans l'Union sacrée. Il n'est pas d'accord avec la manière dont les choses ont été faites. Vous avez suivi plusieurs députés qui sont dans l'Union sacrée. Ils ne sont pas d'accord. Le bagarre qui a eu à l'Assemblée nationale, là, il n'y avait pas que les députés du FCC, il y avait aussi ceux de l'Union sacrée. Et donc, cette question
non pas seulement divisera la classe politique, même l'Union sacrée dont vous pensez être soumis. Mais je vous dis, vous allez constater la fragilité de l'Union sacrée avec ce qui s'est passé dernièrement sur Kadima. Merci beaucoup. Vous en êtes vraiment convaincu. On verra avec le temps. Alors, Carlo Koussa, la question de Déli Kadima aujourd'hui. Le président de la République doit-il reculer ou pas? Parce que d'après les informations que nous avons, les différentes plateformes aujourd'hui ont presque désigné les membres du bureau et même de la plénière, c'est que la liste affiche déjà complet. Donc le président de la République va prendre une seule ordonnance. Ça, c'est d'après les informations que nous avons. Mais maintenant, la question, c'est par rapport à ce qui se trame dans la politique, dans la sphère politique. Est-ce qu'il faut que le président puisse signer l'ordonnance ou qu'il ne les signe pas? Ça, c'est la première question. Oui, en tout cas, moi, je pense que pour après entériment du bureau de l'Assemblée, de la CENI par l'Assemblée nationale, ce qui a été fait dernièrement, la suite logique, c'est que le président prenne l'ordonnance pour asseoir justement ce bureau et valider son travail. Mais s'il faut revenir en arrière, j'aimerais aussi dire ceci, la procédure selon la charte des confessions religieuses est claire. Il y a deux modes de scrutin, on se sera de le dire, il y a le consensus et il y a le vote. Comme il n'y a pas eu consensus, on sait, on ne peut pas revenir à cet épisode, elle a été tellement suivie par l'opinion, à cause de l'Église catholique et de l'ECC qui avait décidé de claquer la porte. On se rappelle de l'épisode à la Salco, les lumières éteintes et tout ça. Les six autres ont été pratiquement chassés de la Salco. Ils se sont retrouvés quelque part pour passer au vote. Ils étaient majoritaires, sur 8, ils étaient 6. Ils ont fait le vote, ils sont passés au vote et ont envoyé leur PV à l'Assemblée nationale. La procédure a été quelque part renvoyée à plusieurs reprises par le bureau, par la sagesse du bureau de l'Assemblée nationale. À plusieurs reprises, on leur a demandé d'aller se reconcerter pour trouver un consensus dans ce sens-là. Mais rien n'a été fait, et il y a eu grogne au sein de l'opinion. Le temps presse, nous devons aller absolument aux échéances électorales, même si, par rapport à d'autres sujets, nous avions ici fait mention du fait que les élections ne pouvaient pas nécessairement être une priorité pendant qu'il y avait notamment les enseignements, l'éducation à prendre comme priorité. Mais évidemment, il faut suivre le mécanisme institutionnel et tout ça pour arriver à ce fin-là. Je referme la parenthèse pour amener. Je dis que la procédure a connu ce qu'elle a connu comme entrave, et aujourd'hui nous en sommes au point où cette commission paritaire, conduite de main de maître par le professeur André Bata au niveau de l'Assemblée nationale, a fait le travail qu'il devait, cette commission qu'elle devait faire. Vous avez suivi au moins l'attitude de John. John par rapport à J'en viens. Et cette commission a fait le travail qui lui a été imparti par notamment l'Assemblée nationale. Okay, et le travail arrivé à sa fin, la commission a fait son rapport au niveau de la plénière et le bureau, la plénière, je dirais, a entériné. Donc ici, si nous devons revenir en arrière et demander à ce que souhaiter, en fait, parce que d'après ce que mon frère John est en train de dire, souhaiter que le président ne valide pas ou ne prenne pas l'ordonnance installant ce bureau, je pense que cela reste de la pure manière, de la simple pure manière de la quiétude ou de la discrétion du chef de l'État. Nous ne pouvons pas entrer en ce moment, mettre la charrue avant le bœuf, savoir ce que le chef va dire, mais par rapport à la procédure, moi je pense que
suffisamment de temps a été imparti, notamment à ces confessions religieuses, pour le produire le travail qui lui a été donné. Le travail à ce point n'a jamais été fait, mais ils sont passés à un autre mode de scrutin, à un autre mode de désignation, notamment par les élections. Ils sont allés, ils étaient majoritaires, il y a eu plusieurs choses qui leur ont été données, et en ce moment, nous parlons de l'enterrement de ce bureau, et nous attendons maintenant la décision du chef de l'État, qui est le garant des institutions, par rapport à sa discrétion. On vient d'ailleurs de si bien le dire, John, il a confiance en notre président de la République. C'est quelqu'un de résolu dans ses décisions. C'est quelqu'un de conséquent dans ce qu'il prend comme décision. Merci. Et nous attendons justement la décision du chef de l'État pour ne pas ici mettre la charrue avant le bœuf et dire n'importe quoi, dire ce qu'il pourra faire ou ce qu'il ne pourra pas faire. Personne d'entre nous ici ne pourra ici mettre cela en avant. Merci. Mike, par rapport aux enjeux en présence, quelles sont les conséquences qui découleraient de régé de Denis Kadima par le président de la République? Merci pour la question. La conséquence serait simple, est-ce qu'on se retrouvera pris dans une sorte d'aspirale intarissable? Parce qu'il y a deux questions prioritaires dans l'affaire des élections. C'est qu'il y a ce souci de vouloir aller dans le sens de l'inclusivité, mais également ce besoin de pouvoir tenir le délai. Quand on met en avant la responsabilité du chef de l'État, c'est qu'il doit tenir compte de ces deux éléments. D'une part, savoir parrainer les élections dans une dimension inclusive, ce qui est impossible, je sais pourquoi je le dis, dans le caractère de la classe politique congolaise, et à la fois tenir le délai parce que la ligne politique qu'on a tenue pendant que lui était à l'opposition, c'était le besoin que Kabila a fait, a été un argumentaire, un élément qui a même sapé sur la qualité ou encore l'intégrité de ces élections. J'aimerais revenir maintenant. Revenons au départ. Sur le principe, qui sont les premiers à fauter? C'est l'Église catholique. Comment ça? Dans l'esprit du législateur, je reste dans le texte. On dit allons au processus des désignations de membres. Les législateurs ont prévu le cas de non-consensus, que passons au vote. Dès cet instant-là, on quitte le principe, on doit s'interroger sur les questions de doctrine. Donc on devait épuiser la procédure. On devait d'abord épuiser la procédure et s'en remettre à qui de droit? C'est qui la personne ressource ou encore l'institution ressource? C'est l'Assemblée nationale. Parce qu'elle est l'émanation de la population, c'est-à-dire c'est justement l'action populaire. Mais l'Assemblée nationale, John a raison. Quand il y a consensus, quand il y a eu vote, on transmet au bureau qui prend acte devant la plénière. Mais encore une fois, l'histoire nous a mis devant une situation jamais vécue. Le bureau se retrouve avec trois PV. Un PV des non-consensus, ce qui n'est jamais arrivé depuis le temps, parce qu'à l'époque, l'Église catholique pouvait faire ses bruits, on finissait quand même par prendre la décision d'entériner avec ou sans signature. Il y a eu le PV des six autres confessions religieuses qui se sont retrouvées devant un blocage malgré l'assistance, non seulement de l'Assemblée, mais également des autres partenaires, de pouvoir trouver un consensus. Et il y a un troisième PV. On s'est retrouvé face à l'histoire, il fallait interroger une question doctrinaire. Normalement, l'Assemblée prend acte. Mais quand on se retrouve devant trois PV, des non-consensus, l'Assemblée nationale, qui est le dernier rempart pour pouvoir valider, se doit d'être ouvert à une solution. Pour ne pas exclure la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est alors que la commission mixte paritaire intervient pour la raison de son équité en termes de droit, pour discuter du contexte et dégager la voie de la sagesse. Je ne reviendrai pas sur discuter sur les questions de fond au niveau de la commission, mais la commission dévalait parce qu'on était en face d'une situation qui est une première. Vous comprenez? Là, on quitte la dimension seulement de principe. Ce que je dis, que le droit n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que dans le droit, il y a le texte, mais il y a également l'esprit. C'est dans cet esprit que le législateur a prévu la commission mixte paritaire pour résoudre le problème parlementaire en tenant compte de l'équilibre politique en interne. C'est à ce moment-là que la commission est entrée en danse. Maintenant,
à ce stade, la commission aussi, en tant que celui de grand intérimaire, s'il a envoyé au chef de l'État, c'est... En fait, je peux dire que, en d'autres termes, mais si vous parlez de ces équilibres-là, est-ce que cela n'implique pas le fait que nous pouvons comprendre que cet équilibre peut ne pas passer par la présence de membres au sein de la commission dite paritaire, mais plutôt à l'extérieur, par rapport au contexte congolais de ce qu'on appelle autorité morale? Vous savez, quand vous entrez dans cette logique-là, ce qui est sûr, c'est que c'est une force politique qu'il ne faut jamais négliger. Mais le problème, je vous dis... Donc, ça, en clair, ça, je voudrais dire que un certain Joseph Kabila peut... Je comprends là où vous êtes. ...peut donner l'ordre de dire, voilà, qui était là-bas à la commission? Vous n'êtes pas allé pourquoi? Bon, dites là-bas que vous envoyez tel nom. C'est discutable cette procédure-là. Parce que, dans le fonctionnement de la commission, l'idée c'est quoi? De soumettre les difficultés constatées dans la transcription du rapport de confession religieuse, à cet instant-là, prendre la représentation de chaque composante. C'est-à-dire, il y a cette majorité, il y a l'opposition, dit voilà le contexte dans lequel on est, nous qui sommes censés en perdre. On dégage d'avoir de la sagesse parce que, généralement, c'est les gens de question soumettant à la plénière, est une question qui peut prendre un sens encore beaucoup plus complexe. La meilleure chose, c'est que la commission est là pour réencadrer, définir les difficultés, dégager la voie de la sagesse et renvoyer cette fois-là à la plénière qui également doit ouvrir le débat. Et c'est ça le schéma. Pourquoi? Parce que, justement, la commission ne peut pas se substituer à la plénière pour décider. Donc, la commission a fait le travail, a renvoyé à la plénière, qui réoriente les propositions et les engagements pris au niveau de la commission. Donc là, si le débat doit... Et c'est l'ensemble des députés qui décident. Je vous dis, c'est la plénière. Quand on dit la plénière fonctionne en principe de majorité. Et je peux comprendre maintenant dans la dialectique, dans l'esprit des députés, eux qui sont l'émanation d'un post-spectacle, eux qui... Et c'est ce qui s'est passé, on a vu... Ça n'a pas été le cas lors de Malonda, de la procédure ayant conduit à l'entraînement de Malonda. On n'a pas passé au vote. Que Janine Malonda a voulu rester dans la logique traditionnelle telle qu'évoquée par John, c'est-à-dire on vient, on prend acte. Pour eux, le fait qu'il y ait eu un principe de majorité, parce qu'eux-mêmes fonctionnent dans ces principes-là, c'est leur doctrine. Pour eux, il s'agissait justement. Quels sont les éléments de référence sur quoi Malonda n'a pas tablé? Il est resté sur le texte portant organisation forcément de la CENI, dit il y a deux volets. Ça dit, au cas où il n'y a pas consensus, il doit y avoir un vote. Or, dans les PV qu'on a ici, le PV est représentatif en termes de composantes, donc je veux dans ces sens-là. Or, cette situation-là, ces principes-là, a posé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ne voulant pas aller abonder dans le même sens, on a décidé d'interroger non pas les textes qui semblent être muets face à ce contexte, d'interroger la doctrine. C'est assez sale. Et parce que c'est sale ici, la deuxième conséquence de votre question, c'est que s'il faut y aller, moi j'ai toujours dit, la conscience, c'est qu'il faudra qu'on s'ingère dans les questions qui concernent les confessions religieuses. Et cette ingérence doit venir à quel niveau? C'est que faudra que cette Assemblée nationale réévalue les textes. C'est-à-dire, à mon humble avis, puisque aussi encore, en même avis, permettez-moi de me répéter, le mal est intrinsèque. Quand vous savez qu'il s'agit d'une composante où il peut y avoir des discordes, au regard de l'histoire et que l'Église catholique, souvent avec l'allié SCC, se sont mis en porte-à-faux par rapport aux autres, vous prenez les postes de décision, vous donnez exclusivement à la minorité. En réalité, dans la loi, cette assise-là du vote, existentiellement, n'a pas lieu d'être. Ça veut dire que c'est un vote, mais qui doit être décidé au bon vouloir de cette minorité qui dirige, c'est-à-dire l'Église catholique, qui a déjà et la présidence et le secrétariat, et on donne la vice-présidence à l'SSM. En réalité, c'est déjà un mal profond. En quelque sorte, pour moi, les députés ont fait ce qu'ils pouvaient, ils devraient faire, parce qu'on est dans un contexte où on vit une question qui deviendra jurisprudence dans le jour à venir, parce que le texte ne le dit pas. Et maintenant, là, les gens qui vont porter la responsabilité, c'est le manque de confession religieuse. Mais permettez-moi de chiter de vous, Camille. J'aurais bien aimé qu'on revienne sur la question de Delicadine.
Mais moi, je doute fort sur la sincérité de l'Église catholique. Vous savez pourquoi? Pourquoi? À mon âme, la vie, l'Église catholique nous a amené un candidat bélier. Ceux qui sont dans l'armée savent. Les béliers, c'est généralement des véhicules blindés qu'on met, qui viennent se sacrifier pour ouvrir la frontière pour faciliter l'infiltration. Comment Cyril et Botoko, déjà, n'a pas su gagner face à Ansar Maloga parce qu'on a mis à la place publique ses appétences, notamment sa présence en tant que candidat sur la liste de la Mouka, qui est un critérium. Le ramener pour une deuxième fois. Vous révélez pour une deuxième fois, vous ramenez le même candidat. Ils ne sont pas venus dans l'esprit d'amener un candidat pour aller vers les élections, mais dans l'idée de pouvoir frayer le chemin à croiser de la rencontre. On fera semblant de vous dire, écoutez, par bonne foi, nous on accepte de faire un consensus, on retire notre candidat, retirez aussi le vôtre. Mais en réalité, leur candidat n'était pas un candidat en qui ils ont confiance. Parce que déjà, il y a trop de charges sur lui. Et comme on a la culture du troisième larron, un troisième larron, c'est généralement quelqu'un, un pétillé, que personne ne sait maîtriser, finalement, qu'on peut facilement manipuler. À ce stade-là, je doute de la sincérité de l'Église catholique. Eux qui veulent prêcher sur l'intégrité chez Denis Kalima, ils ne pouvaient pas nous amener à un candidat réputé dans ce sens-là. C'est là que ça pousse les choses. Merci, Maïgardi. On va prendre deux minutes pour boucler avec cette question. C'est par rapport aux conséquences. John, vous qui soutenez que le président de la République ne devrait pas prendre l'ordonnance pour acter Denis Kalima, comment ça va se passer après? Non, nous avons des gens qui sont la CENI, qui sont payés jusqu'aujourd'hui en attendant la réunion. Est-ce que vous pensez qu'il faut accepter aujourd'hui que l'on reprenne le processus de désignation à zéro? Mais moi, je pense qu'il faut faire passer, sauf si nous voulons... En fait, si autant, si on veut aller droit au mur, on continue. Mais vous voulez me dire qu'aujourd'hui, si... la liste des délégués de l'opposition, l'Assemblée va aussi mettre en place une commission paritaire. C'est la commission paritaire qui doit décider à la place de l'opposition pour ses délégués au niveau de la CENI. Non, ça c'est un... Pourquoi ils l'ont fait avec la profession religieuse? Pourquoi ils l'ont fait? Il faut laisser aux composants d'assumer, de porter les conséquences de leurs actes. Il ne faut pas... J'aimerais qu'on circonscrive notre démarche. Nous admettons que le président de la République vous écoute, John. Il vous écoute. Il dit, bon, je ne veux pas prendre l'ordonnance pour Denis Kalima. Quelle est la suite? Vous entrevoyez la suite comment? Non, mais on respecte la loi. C'est-à-dire, on reprend à zéro la démarche. Donc, on fait fi, du calendrier jusqu'aujourd'hui, de la mise en place de la CENI. Nous avons jusqu'aujourd'hui, au niveau de la CENI, ceux qui ont organisé les élections dans ce pays, les élections qui ont fait du chef de l'État, président de la République. Tandis, ils n'auront pas à travailler pour nous organiser les élections, mais il y a quand même des préalables en termes de préparation du fichier. Jusqu'ici, ça nous a pris le temps pour avoir le nom de Denis Kalima. Attendez, MS, je vous relance. Pour avoir le nom de Denis Kalima cité à l'Assemblée nationale. Ça nous a pris combien de temps? Trois mois. Non, mais c'est depuis 2020, depuis le rejet de Wallon, d'accord. Mais vous savez, sur la liste, il y a un député provincial qui est là comme délégué de la société civile, alors qu'à l'APK, il est sur la liste d'un parti politique. Là encore, une entorse. Est-ce qu'il faut qu'on laisse le chef de l'État signer un tel document? Non! Non, là nous sommes, là on fait du sur place, Nous sommes déjà dans l'au-delà de la désignation. Admettons qu'on accrédite ta thèse, la thèse du rejet. Ok, c'est quoi la thèse du rejet de cette liste-là envoyée avec un député provincial dedans, avec des noms qui manquent. Admettons qu'on rejette ça. Ça signifie concrètement. Quoi? Donc, on reprend à zéro. Il faut qu'on appelle encore. Il faut rappeler les acteurs. Il faut rappeler les acteurs. Parce que le vote n'a pas produit un bon résultat. Il y a les consensus.
Il faut un consensus. Mais le consensus, c'est pas tenu. Le problème, même quand il parle de Motoko, et Kadima, alors, vous avez des corruptions pour imposer Kadima. Vous avez suivi les choses, c'est quand même pas un enfant. Non, ça n'a pas été prouvé. Le représentant de l'UCC, c'est quand même un serviteur de Dieu. Il ne va pas nous raconter des histoires. Non, ça n'a pas été prouvé. Ils nous ont dit, eux-mêmes, ils tous avaient signé une déclaration pour dénoncer les menaces et intimidation. Vous le savez. Okay. Et donc, il ne faudrait pas ignorer aussi cette réalité. Du moment où ils ne se sont pas mis d'accord, il y a possibilité de les convoquer. Donc, il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Pour John, si la thèse du rejet est accréditée, ça signifie qu'il faut trouver un consensus. Ça va se passer comment, le consensus? Autour des acteurs de consensus. C'est-à-dire, on appelle encore les confessions des jeux, qu'ils reviennent pour trouver un consensus. Exactement. On leur donne combien de temps? Le temps qu'il faut. Même une année. Ok. Je peux commencer. Ok. Avocat. Je vous en prie. Je comprends le souci de John, mais j'ai lui expliqué une chose, c'est que le mal est intrinsèque dans la composition. C'est vrai, quand il dit le chef de l'État, bon, connaissant le chef de l'État, il peut décider de ne pas rejeter, de ne pas annuler, mais de continuer à interpeller les acteurs jusqu'à compléter la liste. Absolument. Il a posé une bonne question sur les délégués des partis politiques, puisqu'il s'agit d'un vote interne, c'est à eux d'envoyer leurs délégués. Mmh. Là, ils n'ont même pas besoin de qui que ce soit. Mmh. La commission paritaire a statué sur des questions. Il devrait répondre à une question de principe qui malheureusement se retrouve face à un vide juridique. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais les trouver face à un peu de non-consensus où l'Assemblée nationale qui est le dernier rempart d'intérimé devrait prendre une décision après avoir envoyé les acteurs plusieurs fois pour enfin trouver les consensus même si le vote n'avait jamais eu lieu. Maintenant la question c'est que si on envoie les mêmes acteurs, j'aime là, Albert ainsi a dit, il ne faut jamais compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre. Il n'y a aucune garantie que si on retourne à balle chez ces confessions religieuses, qu'on aura un consensus, sauf si on revient dans ma proposition. On change le texte, on laisse la présidence et le secrétariat à une confession neutre qui n'a pas le droit de vote. Au-delà du mythe, comme ça, au moment où on n'arrive pas au consensus, on passe en principe assez simple au vote, on n'aurait pas eu tout ça. Tant que ça sera la minorité qui doit décider s'il y aura vote ou pas, le mal est profond. On peut aller, admettons, on y va. Quelle garantie qu'on a que le prochain candidat que les six autres confessions religieuses vont amener ne sera pas encore un candidat commandité par les partis politiques? Quelle est la garantie qu'on a? À ce niveau ici, on va sur des preuves subjectives. C'est-à-dire, on peut faire ces débats-là toute une vie. Non, il n'est pas clair, il n'est pas net. Ici, c'est pourquoi je ne suis pas revenu sur les questions non, alors, corruption ou autre. Non, je parle des questions du CD. Mmh. Ici, c'est dans le CD. Mmh. Et Motoko, il y a un seul argument qui fait qu'il ne peut pas être éligible de la CENI. Il a été candidat sur la liste d'un parti politique. Ça suffit. Et le prêtre le savent, eux qui prêchent l'intégrité, ne devraient pas, si ce n'est pour des raisons stratégiques. Donc, à mon humble avis, à ce stade, on a deux choix. Le chef d'État peut préférer aller comme John le dit. On reprend le processus, il faut changer le texte. À défaut, pour des raisons de temps et pour des raisons des principes, respecter aussi la Constitution, qui est un texte fondamental qui définit les limites à ne pas franchir pour les élections, on décide d'évaluer. Merci. Carl. Oui, par rapport à la même question, hein, par rapport à, oui. À la suite, si jamais le président accédait à la demande des Fayoulou, des Katumbi et les autres, donc, qu'est-ce qui suivra? Non, mais moi, on tombe dans un blocage, on reprend à zéro. Moi, j'aimerais rester. Moi, je pense que lorsque il faut interroger l'histoire, nous avons connu ce genre de blocage dans de précédents processus, pendant les précédents processus électoraux, désignation notamment des membres du bureau, on a connu ça avec la même église catholique, ce même blocage et tout ça. Mais cela n'a pas empêché l'organisation des élections. Donc moi je pense qu'à un certain moment de la vie, il faut qu'on s'arrête et qu'on se remette en cause et qu'on se dise, écoutez, j'emballe mes affaires et j'y vais. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à blâmer, ou s'il y a quelqu'un à blâmer dans cet arrêt spontané dans ce processus de désignation de ce bureau, c'est l'Église catholique.
On ne peut pas se voiler la face, cette église a été pour beaucoup dans ce blocage. Et il y a un agenda caché quelque part qui pousse cette église à vouloir retarder ce processus. Mais le président, dans sa vision, veut absolument tenir ces élections à échéance. Et je pense que dans cette logique-là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je continue de croire que le chef de l'État va aller de l'avant pour qu'en 2023 se tiennent les élections à échéance, pour que demain, on ne nous dise pas qu'il y a eu glissement et que le chef n'a pas respecté la Constitution. C'est un homme qui reste légaliste, il va rester dans ses bottes et il va foncer de l'avant, et nous attendons ces élections. Et quelles peuvent être les conséquences sur le terrain? Le terrain, moi je pense que le terrain, nous sommes dans un pays démocratique, le processus, tout processus démocratique n'a jamais été inclusif. Donc moi je pense qu'ici, nous ne devons pas attendre qu'il y ait inclusivité dans ce processus. Donc on aura les gens dans la rue. Il y aura contestation. Nous avons vu des gens dans la rue aux États-Unis, nous avons vu des gens dans la rue, notamment avec au Capitole, nous avons vu des gens dans la rue en France, avec notamment le canard enchaîné qui à la dernière minute avait fait des douanes, avait fait des révélations sur un candidat qui était potentiellement le premier parmi tant d'autres. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, si les Congolais doivent se réunir pour une cause juste, c'est-à-dire aller respecter la Constitution en organisant les élections à échéance, je crois que c'est la meilleure procédure, c'est le meilleur choix à faire pour tous les Congolais qui nous suivent. Un dernier mot, pour terminer cette émission, nous devions prendre un autre thème, malheureusement le temps nous fait. Un dernier mot, je voudrais juste placer rapidement un mot sur le RAM. On devait parler du RAM, effectivement, fait tant de mal aux gens, mais j'aimerais seulement encourager les Congolais à aller. Le RAM n'est pas une taxe, c'est juste un service rendu à la population, et je pense que dans des émissions beaucoup plus élaborées, nous allons y revenir pour parler, notamment expliquer à la population c'est quoi exactement le RAM, et je crois que on se fera comprendre. On fera avec plaisir. Ok. Bon, je crois que sur la question de la fin également, pour ne pas peut-être emboîter les pas, comme on l'a dit, on reviendra certainement, oui. Mais je pense seulement, s'il y a un conseil que je peux donner à la RPTC, c'est que ces genres d'initiatives, avant d'y aller, il faut savoir que c'est toute une culture. Il faut commencer par l'implanter avant de pouvoir décider. Le Congolais n'a pas encore cette culture fiscale. Vous voulez lui proposer un service, encore du reste, un service en système prépayé. Il faudra qu'il comprenne les choses convenablement. Et surtout, il faut éviter, comme on dit, des approximations dans la communication. Je me suis rendu compte dans le fond, j'ai vu ce que ce service peut faire, c'est un projet noble, on peut faire beaucoup de choses avec, on peut régler beaucoup de problèmes, situations de Congolais, seulement maintenant, les choses doivent être recadrées et réexpliquées aux Congolais, mais aussi, il faudra écouter l'opinion publique, c'est un élément essentiel. Non mais, je voudrais vraiment que vous soyez là lorsque nous allons organiser le débat sur la question du RAM. Ça risque d'être de la position. Parce que l'argumentaire des gens, c'était qu'on ne peut pas instaurer une taxe sans passer par nous. On se rend compte que c'est le paiement en système prépayé d'un service, finalement. Email, notamment le service email. Expliquer aux gens convenablement que vous me payez ça pour que je fasse ça en retour. Absolument. Et je crois que peut-être dans une émission un peu plus élaborée, on reviendra sur les petits détails pour ce projet qui peut apporter beaucoup de choses. Merci Mike. John. Alors, je pense que mon frère, il est dans la logique de forcing. Un peu comme disaient les acteurs politiques, gérer le pays par défi, ça ce n'est pas bien. Non, pas du tout. Vous craignez le glissement, vous pensez que ça peut nous amener, le chef de l'État doit organiser les élections dans le délai. Pour vous, c'est une bonne chose, mais vous ne voulez pas nous dire les conséquences d'une mauvaise élection dans ce pays. Je pense que pour le glissement, la Constitution a tout prévu. S'il n'y a pas élection dans le délai, le président qui est en place reste. Juste à l'organisation. Voilà. La Constitution a prévu. Vous ne pouvez pas craindre l'église parce que la Constitution a prévu. Mais ce qu'il faut craindre, c'est l'organisation d'une mauvaise élection. Ça, il faut vraiment le craindre. Et moi, je pense que s'il nous faut du temps pour organiser une meilleure élection, je suis dans la logique de voir ce qu'il est resté même pendant 3 mandats
pour vous qu'on ait des élections. Meilleure élection, c'est d'après vous, c'est moi et APC. Mmh. Et ça, c'est ma logique. Meilleure élection, d'après vous. Je suis d'accord pour le glissement. Je suis d'accord pour le glissement. D'autant plus que la Constitution a prévu qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je suis contre la tenue des mauvaises élections parce que ça va nous amener au chaos. Et ça, il faut le faire. Merci. Pour le RAM, c'est de l'escroquerie, mon frère. Les spécialistes ont dit, ont parlé du banditisme fiscal. Je suis d'accord que si vous lisez l'article de la Constitution 174, il est dit que la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne, pour tout citoyen congolais, je suis d'accord. Mais on vous dit, toute taxe, tout impôt doit être coulé sous forme d'une loi. Mais est-ce que je viens de le dire ici sur les pages de l'État. Nous sommes à la fin. Je viens de le dire. Je viens spécifier. Je viens spécifier. Je viens spécifier. Je viens spécifier sur les pages. Tu m'as bien suivi, mais exprès. Non, tu m'as bien suivi, mais non, non, tu m'as bien suivi. Mais tu fais exprès d'appeler ça une taxe. Non, non, tu fais exprès d'appeler cela. Non, non, j'ai appelé ça un service. J'ai appelé. Non, non, j'ai appelé cela un service, pas une taxe. Un service, c'est vous qui appelez un service. Non, non, attendez. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Il faudrait d'abord, au niveau de la communication, comment définir ce service? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un instant. C'était la fin de l'émission. Chacun avait quelques secondes pour On a relancé l'émission. Oui, nous allons organiser un plateau pour parler de la question. C'est un temps de RAM, c'est vraiment important. Qui est un service qui a été mis en place. Non, il doit être là. Il doit être là. C'était les sujets sur lesquels on doit être là. C'est absolument. Vous voyez, avec les enfants qui étaient dans la rue, les enfants qui étaient au palais du peuple, on ne pouvait pas faire passer la question du RAM avant la question des nos enfants dans la rue. C'est comme ça que nous avons dû commencer par la question de l'éducation. Mais ce n'est que partie remise. Nous allons vous réavoir sur ce plateau. Mais que John aille vérifier c'est quoi taxe, c'est quoi service. S'il vous plaît, vous nous répondez dans l'émission. Je vous rappelle que nous avons déjà débordé par rapport à donc on se va poursuivre. Nous allons revenir sur cette question, mais au moins retenons que RAM, ce n'est pas juste ici une taxe, parce que les taxes sont gérées par la DGRAD, par... Donc on ne peut pas rentrer dans ces débats-là. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons vous retrouver très prochainement. Abonnez-vous massivement sur Congo Market Télévision. Merci à l'équipe technique et à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Connect Africa, notre partenaire qui nous dessert en connexion Internet. Et merci à tous les autres partenaires. Salut à vous tous. Ciao. Meubles et immeubles. Ma voiture. Mon magasin. Mon chantier. La scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.